Je vais te faire un shooting. Okay. En 10 minutes, je te fais un shooting qui correspond. Mais il fera obligatoirement 15 grammes. Mm-hmm. Il sera adapté à la canne. T'es d'accord? D'accord, mais super. Allez, à demain. Rendez-vous pris. Bon, on va attaquer le sujet le plus important. Trouver un équilibre avec un fuseau, un équilibre en poids, un équilibre en longueur. Tu t'en es quand même rendu compte hier, hein, entre l'essai avec ta soie WF, je dirais entre guillemets classique, et puis le fuseau avec lequel je pêche régulièrement avec ce système-là, tu as pu gagner 4 à 5 mètres très très facilement, et demain tu vas gagner 10 à 15 mètres, sans aucun problème, j'en suis sûr. Je fais un petit peu de golf, je ne suis pas un génie du golf, mais tu prends une balle de golf, dans le monde entier, tu retrouves le même poids en matière de balle de golf. Hein. De mémoire, 45 grammes, 70, quelque chose comme ça. Toutes les balles de golf ont le même poids. Ok. Le même diamètre. 4,57 cm, par exemple. Hein. Donc, quand tu propulses une balle de golf, hein, dans le monde entier, quel que soit où tu joues, tu vas toujours propulser le même poids. D'accord. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui, en 2018, comment on n'arrive pas à la pêche à la mouche, à étalonner avec des caractéristiques dimensionnelles un propulseur qu'elle soit. Okay. On mélange beaucoup les grains, les poids, les inches, les feet, les foot. Bon, alors moi, ce que je te propose, on va faire un fuseau, mais on parle en français, en mètres, en kilos, en grammes. Super. Système métrique. Que chacun s'y retrouve. Voilà. On a une canne, on sait qu'elle est équilibrée à 15 grammes. Tu as vu hier, on va partir sur ces 15 grammes. Alors, quand on dit 15 grammes, c'est 15 grammes moyen. Hein. C'est évident, hier, en deuxième poste de pêche, on a pêché un fort courant avec une veine centrale très importante. Ouais. On aurait mis 14 grammes à la place des 15 grammes, ça suffisait, si tu veux. Hein. Mais je dirais, c'est 15 grammes plus ou moins 2 grammes. Voilà. D'accord. Mais on va d'abord parler de la longueur du fuseau. Moi, la fourchette, pour moi, qui me paraît utile pour armer une canne de ce type, qu'elle fasse 11 pieds 6 jusqu'à 13 pieds, c'est minimum 2,5 longueur de canne. Hein. Okay. Donc, ça te fait du 8,25 m minimum. Et 3 longueurs de canne. Hein, 10 m25. C'est une fourchette. C'est la fourchette. Tu es surélevé par rapport à l'eau, tu peux partir à 3 longueurs. Ouais. Et si par contre tu pêches vraiment en wading et que tu peux entrer fortement dans l'eau, tu diminues à 2,5. D'accord. Moi, écoute, je finis avec un paquet de soie. Ouais. Je veux te faire un fuseau de 15 grammes. On verra la longueur finale, mais elle sera comprise entre ces 8 m25 à 10 m25, c'est-à-dire 2,5 à 3 longueurs. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même une petite approche. Hein. Moi, c'est jamais les numéros de soie, ça ne compte plus pour moi. Ma petite approche, alors, ce on oublie le soie de 5, soie de 6, soie de 7. Je ne parle pas d'accord. De ces numéros. D'accord. Ouais. Bon, tu as besoin d'un petit matériel, un pèse-lettre au demi-gramme, un palmaire, un ciseau, voire deux ciseaux, un gros, un petit, une aiguille. Hein? Et une petite pince Bruxelles. Ok. Alors, avant de démarrer, je reviens sur les 15 grammes. Hein? Il y a ce que le fabricant marque sur la canne. Quand il est sérieux, il marque en grammes. Il ne marque plus en numéro de soie. Mais comment, à ton avis, on peut approcher la vérité par rapport à ce qui est marqué? Est-ce que tu penses? Alors, il y a un essai qui est très simple. Moi, j'ai une canne de 15 grammes. Bon, je la connais très bien. Alors, c'est assez facile. Ça va être assez rapide, l'essai. Mais par exemple, tu vois, j'ai deux olives. J'ai une 15 grammes. Ouais. J'ai une 20 grammes. Hein. Et au lieu de prendre la canne dans le magasin en main puis voir un petit peu la courbure, ce qui est complètement stupide, ça n'amène rien. Aujourd'hui, on a des matériaux qui sont hyper puissants, hyper rigides. Ce que je te propose, c'est tout simplement, tu vois, tu as sorti ton running line. Hein, au repos, tu fais ta boucle sur ta poignée, tout simplement. Ouais. Tu vas mettre, bon, elle est marquée 15 grammes. Alors, on va écouter le fabricant, on va mettre 15 grammes au bout. Hein, puis, on va voir un petit peu l'action. Comment ça se passe? Il faut faire attention, évidemment, pas projeter ça sur le sion. Hein, parce que là, en fait, dans une olive, j'ai le poids. Donc, je soupèse comme ça. Tu vois, et je me rends compte un petit peu de la courbe. Donc, on voit quand même que la courbe, le tiers supérieur fléchit dans un effort dynamique, pas statique, dynamique. Hein, on va raccourcir un petit peu la bannière. Hein.
Bon, moi, je me sens bien. Hein. Je me sens bien parce que la courbe, ça reprend des efforts jusque dans la poignée. Je sens des efforts sur la poignée. Essaye. Tu sens l'action sur la poignée. Ouais, un petit peu. Ouais. Donc, moi, j'estime qu'à partir de 15 grammes, je vais pouvoir actionner ma canne. D'accord. Voilà. Je la connais parfaitement, le jeu est un petit peu tronqué, mais néanmoins, c'est une bonne valeur. On va mettre 20 grammes, si tu veux. Ouais. Hein, on va considérer pour que voir c'est... un petit peu la différence. Voilà, que c'est la valeur basse. Alors ça, c'est un essai... Bon, c'est sûr que tu vas avoir du mal à le faire dans un magasin, hein, mais c'est un essai basique, mais qui marche très très bien, très très bien, sans casser la canne. Hein. Donc là, je mets 20 grammes. Bon, tu surcharges volontairement. Ouais, bon, je connais le résultat, mais dans l'inconnu, je surcharge. Bon, et là, je me rends compte que ça répond très très vite dans ma main gauche. Hein. Très très vite. Hein. Donc là, je vois que c'est un peu surchargé. En surcharge. Ouais, un peu surchargé. Alors, j'exagère pas, je ne voudrais pas casser un sion. Mm-hmm. Ça prend, hein, mais ça surcharge. Et on voit bien la courbe là. Hein. Tu donnes quelques coups. Tu me rends compte de la différence, ouais. Bien sûr. C'est fait pour. C'est un essai basique. Ah oui, mais tu sens que tu es plus chargé. Voilà. Tu le sens. C'est un essai basique avec quelques chimplons qui concentrent la charge. Mm-hmm. Mais déjà, c'est une approche importante. Allez, on va attaquer la fabrication du fuseau. Voilà un fuseau, il y en a plein, découpé. Il y en a... On va prendre celui-là, par exemple. Je te conseille d'utiliser des cure-pipes ou éventuellement des scratchs, hein, à découper. C'est l'idéal pour pouvoir ranger, pour pouvoir stocker, afin que tout ne se mélange pas. Donc là, mon premier travail, je vais prendre la pointe qui va vers le bas de ligne, la pointe la plus fine. Hein. Mon premier travail, je vais faire ma boucle qui va sur le bas de ligne. Alors, l'âme, là. Le liquide indispensable, hein, c'est l'acétone. Hein. Donc, on va tremper environ 5 à 8 cm dans l'acétone. Hein. On va laisser quelques secondes, pas plus, de façon que l'après autour de l'âme de la soie se désagrège, puisse s'enlever à l'ongle, tout simplement. Okay. Une pince électricien va aussi très très bien pour l'enlever. Donc, j'ai laissé un peu tremper. Normalement, c'est un peu plus longtemps. Pour les besoins, on va aller un peu plus vite. Ça gonfle l'après, ouais. Et à l'ongle, je fais partir l'après. Là, je vais déjà faire ma boucle extérieur qui va sur le bas de ligne. Bon, j'emploie un nœud qui est le nœud, pour, à mon avis, qui amène la boucle la plus serrée possible et qui passe le mieux dans les anneaux. C'est le Perfection Loop, le nœud parfait. Une grande boucle, une plus petite boucle que l'on passe par derrière. Ok, tu me suis? J'ai des gros doigts et je passe entre les deux boucles. Et je vais chercher à la pince la deuxième boucle. Voilà. Alors, il faut t'exercer avant. L'idéal, c'est d'être le plus proche possible de l'après. Mmh. Mais côté bas de ligne, c'est pas gênant. Ça amène une certaine souplesse, tu vois. Il y a une souplesse par rapport au reste. Donc, ça fait une très, très bonne transition. Okay. Donc, tu vois, ce nœud, il est très, très fin. Oui. Hein, je vais le couper à 2 mm environ. Voilà. Un petit coup de briquet pour arrêter tout ça. Voilà. Est-ce que c'est pas nécessaire de mettre un petit peu de colle dessus? Je ne te conseille pas. Okay. Parce que toute colle que tu vas mettre là-dessus va rigidifier ce nœud et va être encore bien plus difficile à passer dans les anneaux. Une extrémité qui est terminée. On a dit qu'on allait être dans une fourchette de 2,5 à 3 fois la longueur de canne, entre 8,25 m et 10,25 m à peu près. Donc ce que je vais faire, je vais prendre au plus long, parce que c'est toujours plus facile de recouper. Que de rajouter. Hein. Je vais faire une approche à 10 mètres, par exemple. Hein. Je ne tiens pas compte de ma boucle. D'accord. Voilà. Ah oui, j'ai oublié le mètre. Mais tu as un mètre. 1, 2, 3. Voilà, je suis à 10 mètres, je vois un petit peu. Je fais une petite boucle provisoire. Hein. Je vais réenrouler convenablement tout ce fuseau pour le peser. Premier test, quel est le poids des 10 mètres de cette soie? Sachant, j'ai oublié de te dire quelque chose, que j'ai quand même eu au préalable une approche, sachant que je devais faire un fuseau de l'ordre de 15 grammes, j'ai eu une approche en mesurant au palmaire au préalable, hein, ce qui
te donne le diamètre. Qui me donne le diamètre. Donc là, je suis dans un diamètre de 145 centièmes de millimètre. Je sais que j'ai entre 14 et 16 grammes au mètre. Donc je vais réenrouler tout ça. Je vais allumer ma balance. Alors, pour enrouler tout cela, faut quand même être soigneux. Il faut vriller un petit peu le système, tu vois, avec des boucles comme ça. Alors, tu peux enrouler autour de la main, mais tu vas vriller ta soie, quoi. Hein? D'accord. Toi, tu donnes un petit coup comme ça. Alors, bien sûr, je te préconise une DT, parce qu'avec une DT, tu vas faire deux fuseaux. Ouais. Ça me paraît évident. Après, si tu as un vieux WF à la maison, tu peux aussi le couper. Donc là, j'ai fini. Hein? Mon pèse-lettre est en action. Hein? Je vais laisser un petit peu de mou, tout simplement. Je peux mettre provisoirement ça. Ça pèse un petit peu, attention. C'est, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça on est au demi-gramme. On est au demi-gramme. Et qu'est-ce que j'obtiens? 16,50 g. À 10 mètres, j'ai 16,50 g. On cherche 15 grammes. On va mettre un demi-gramme sur le cure-pipe. Mm-hmm. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai 15 grammes de trop. Je vais refaire un test en enlevant 1 mètre. C'est-à-dire, je me porte maintenant à 9 mètres. Je déroule. Voilà. Et de ma boucle provisoire, je reviens à 9 mètres. Tu peux le faire au bord de l'eau. Hein. Tu peux couper à 10 mètres. Mm-hmm. Tu fais une boucle provisoire, t'essayes. Tu peux te servir de ta canne comme pèse-lettre. Hein. Qu'est-ce que je dis? 15 grammes 50. Parfait. Je suis parfait. Je vais me garder une petite réserve. Je vais couper un petit peu plus loin, si tu veux. Donc là, maintenant, on va couper. On va se garder 20, 25 à 30 cm, histoire de faire le nœud. Mm-hmm. C'est tellement rapide. Sans regret. Sans regret? Sans regret. Je coupe. Allez, adieu vieille soie. C'est parti. Bon, là, donc, tout simplement, je vais faire une boucle, la même que j'ai fait côté bas de ligne. Ok. Alors, moi, j'ai pour habitude de la faire un petit peu plus longue quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, tu l'as fait un peu plus longue. On va être dans les eaux d'un centimètre de longueur, à peine un centimètre de longueur là-dessus. Ouais. Hein. Il faut ça. Hein. 8 mm, 10 mm. Hein. Là. Minimum. Si, ouais, minimum. Ben, là, il ne faut pas trop grosse non plus, parce que ça se voit. Même, j'en suis bien souvent avec un feutre noir, non pas un bleu, à la colorer. Ah, parce ouais, que d'accord. Ce côté blanc dans de l'eau claire, période d'été, période de soleil, mm-hmm. c'est pas très agréable. Je pense que c'est pas agréable pour le pêcheur, simplement. Le poisson, ça le dérange peut-être pas trop, mais moi, je la noircis. Par souci de discrétion. Tout simplement, un coup de feutre. Même okay. en bleu, ça passe. Hein. Et là, par contre, sur le côté... running line, ouais. si tu veux, peu importe la couleur. Oui, tu es poisson, plus tolérant. Le poisson sans contrôle. Voilà, on va laisser un petit peu décanter un peu ça. Le mettre, c'est fini. On range tout. Hein. Je dirais même la balance, on va la réutiliser vite fait pour un acquis de conscience. Contrôle être sûr de poids final. Qu'on n'a pas fait de bêtises. Ouais. Hein. Mais l'opération est quasiment terminée. C'est très rapide, hein, mine de rien. Oui, c'est très rapide. On peut même enlever le. On peut même enlever, voilà, c'est fait. Hein. Tu vois, ça a gonflé. Regarde, ça part tout seul. Aujourd'hui, je fais rarement un voyage de pêche, principalement au migrateur, sans avoir ma petite fiole d'acétone. D'accord. J'ai toujours à bricoler une soie, un truc. Là, tu vois, si je vérifie, je suis à 10, un peu plus de 10 cm. Je suis à 13, 14, 15 cm de longueur. C'est parfait pour faire une boucle. OK ? Donc, je reprends mon fuseau. Mm-hmm. Hein, perfection loop, une grande boucle, une petite boucle qui passe derrière, et je viens séparer la grande et la petite par le bout qui reste, ok? Mm-hmm. Je viens chercher, moi je le fais avec une pince, je viens chercher le morceau, voilà, et je tire, ok? Tout se forme, mm-hmm. ok? Il faut tendre le morceau qui reste. Voilà, tu sers à partir voilà. de ton excédent. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'ai quelque chose de très solide. Alors, là, je te l'ai fait assez rapidement. Mm-hmm. J'essaye de me rapprocher au mieux de l'après. Mais bon, c'est pas une proposition. Mais tu vois, c'est un nœud, c'est une boucle qui est très très solide. Ouais. Hein, très, et très fine. Très fine, très, très fine. C'est la plus fine très, que très tu fine. Pourras faire. Hein. Donc là, je coupe un peu mieux que tout à l'heure. C'était pas parfait. Là. Alors moi, j'ai pour habitude, c'est un peu l'expérience des tresses et tout, de brûler. Bon. Tout simplement. Voilà. Petite sécurité. Voilà, petite sécurité. Cette boucle, ce système a pris des poissons de 10-15 kilos sans aucun problème. Ouais, voilà. Mais ça se voit que c'est une boucle très résistante. Voilà. Et à nouveau, comme de l'autre côté, je ne te conseille pas de mettre des produits, surtout pas cyanolite.
qui se désagrège dans l'eau, qui rigidifie l'eau. Faut vérifier de temps en temps quand tu pars sur un voyage de pêche ou sur une pêche, mais j'ai jamais eu un problème. Et surtout pour la truite. Par acquis de conscience, je vais quand même reposer. Bien sûr. Hein, on ne sait pas. Mm-hmm. L'erreur reste permise. Hein. Et là, tu vois. 4-5 est tombé en ligne 17, t'es à 5, t'es à 15. Voilà. Là, je suis à 14,5 grammes. Mm-hmm. Hein. J'y rajoute mon baline tissé, je suis dans les 15 grammes. Parfait. Voilà. Donc on va faire une vérification de longueur. D'accord. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que on va pouvoir faire un autre fuseau avec un autre diamètre. Hein, tu te rappelles, 145 centièmes. Si je trouvais par exemple une soie de 148, 150, 153 centièmes, 155 centièmes, ça me permettrait d'avoir quelque chose d'un peu plus court, puisque là on est dans les 9 mètres, je rappelle, quelque chose d'un petit peu plus court. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans une partie de pêche, tu vas avoir des coups, tu es au-dessus de l'eau, tu vas prendre la grande longueur, oui. Et tu vas avoir des coups qui, où tu vas être très enfoncé dans, la, dans l'eau, il te faudra un plus petit shooting. D'où l'avantage de t'adapter. Deux shootings. C'est indispensable. Je défais toujours comme ça, proprement, le plus proprement possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,55. Tu es pas loin des 10 mètres. Mm-hmm. Donc j'estime que tu as ton fuseau long est fait. Ok. D'accord. Plus tard, on va te faire la fuseau court. Pigé. Donc, ça, je me le note, je me fais une étiquette et je range proprement. D'accord. Parce que trop souvent, dans des voyages de pêche, j'ai vu des gens qui confondaient les fuseaux, qui les mettaient à l'envers. Hein. Donc, l'indice couleur est très important. Tu mets du noir, par exemple, sur la partie où tu vas mettre ton bas de ligne plongeant, et tu laisses en blanc ou tu mets en bleu ce que tu veux. Mais l'indice couleur est très important. Ouais, quand tu es au bord de l'eau, faut plus te poser de questions. Tu sors ta pochette, je prends ce fuseau, il fait 9,50 m, il convient parfaitement. Ah, c'est primordial. Primordial. Deux fuseaux dans la poche, trois fuseaux dans la poche, pas plus. Ce que je te conseille, tu les stockes, tes fuseaux dans ton gilet, soit avec un petit transparent, hein, avec un zip pour fermer, tu les aères quand même, petit conseil. Hein, les laisser mouiller dedans et les oublier dans son gilet pendant quelques jours, c'est pas terrible. Alors il va s'imputrescir, certes, mais c'est un petit peu l'inconvénient. Une petite étiquette autocollante, tu marques la longueur, le type flottant, plongeant, pointe plongeante, la longueur, le poids. Mm-hmm. Une deuxième solution, on va le faire en direct. Hein. Tu as ici du 15 grammes. OK. OK. Et pour quelle longueur? 9 mètres 50. 9 mètres 50, oui. Voilà. Voilà, tu trouveras. Donc ça, c'est le plus facile, hein, tout simplement, autour. Hein. Et quand je mets ça dans mon gilet, bon, ça s'en mêle, bien sûr, par rapport à ça, ou sinon, je mets dedans avec un cure-pipe. Ouais. Et puis après, alors, si tu voyages, si tu as différentes cannes, tu te fais un portefeuille de shooting, là, j'ai le portefeuille, on va dire, 13 grammes, 18 grammes, où tu as l'embarras du choix. D'accord. Et en plus, ça coûte pas cher, c'est très pratique. Tu pars en vacances, tu pars en voyage, tu pars, tu cherches pas ta voiture, tu cherches pas tes valises d'avion, tu pars avec ça et avec ce système, tu fais face à n'importe quelle situation. Plein de situations. Ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup de situations.